Salut à vous, créatures de la forêt, petite elfe frêle, ou quelconque créature qui vit dans les bois profonds. Alors, on reprend notre aventure. On avait plutôt brillamment terminé la dernière fois, c'est-à-dire qu'on avait repoussé une invasion d'hommes bêtes massive, non sans perte. Hein, certaines armées, notamment celle-là, a vraiment souffert, mais l'avantage, c'est qu'on a pris plutôt pas mal d'expérience. Alors, comme d'habitude, beaucoup de gens nous ont rejoints. La volée noire, les sentinelles de la forêt, les défenseurs de la forêt, les fils d'Amon Soul, les éclaireurs du chêne éternel. Les faucons, bien sûr. Griffes sanglantes, qu'on a renommé notre cher aigle. Qu'est-ce qu'on a? On a les Corses également, qui sont, qui sont du coup un régiment de lémures. De l'autre côté, on a ici une armée qui, elle, est toute neuve. On a les porteurs de sang, les ombres meurtrières, Buck, l'aigle. Bref, il reste encore de la place pour des lémures, pour plein de choses, donc n'hésitez pas à participer encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par botter des culs d'hommes bêtes restants. Ensuite, on va aller coloniser ici. On va essayer de se refaire un stock d'ambre. Et puis, on va voir si il n'y a pas des factions d'elfes qui décident de nous rejoindre. Parce qu'en fait, on a plein d'opportunités ici hein, d'aller chercher des avant-postes qui pourraient créer de l'ambre. Le seul souci, c'est que tout ça, là, c'est indéfendable. Alors, je pourrais aller chercher, me faire de l'argent avec et gagner de l'ambre, c'est cool. Le seul souci, c'est que à la moindre attaque, tout ça va tomber. Je risque de me retrouver en négatif au niveau de l'ambre. On a vu que ça foutait quand même bien le bordel d'être en négatif au niveau de l'ambre. Donc, voilà, on va rester prudent. Ah, mon son est trop fort, je viens de me faire percer une oreille. L'épée de Def. Déplacer un personnage vers la région suivante. Enclume de Vol. Remporter la bataille suivante avec une armée menée par Durtu. Téléporter. Non, je peux voir les forces ennemies, c'est quoi? Des morts-vivants. Et avec des renforts attendus. Ouais, non, pas tout de suite. Pas tout de suite, pas tout de suite. Elle est où la bataille qu'on doit remporter? Ouais, elle reste là dans les options. Parce que là, pour l'instant, l'armée de Durtu n'est vraiment pas en état, si vous voulez, de faire ce genre de choses. On pourrait aller coloniser ça en speed d'ailleurs. Pendant qu'on y est. On va le faire, là-bas il y avait de l'or. On va en profiter que pour l'instant on n'a pas vraiment de commande d'adversaire pour le faire. Ici, on pourrait avoir des archers améliorés. Est-ce qu'il n'y a pas plus intéressant à faire? Non, j'ai dit plus intéressant, pas moins intéressant. Ici, oui, bah ici, oui. Alors, c'est quoi ça? Des rangers du bois de la folie? J'en ai absolument. Mais alors, absolument rien à foutre. On a Ombre Mortelle qui a un niveau. Comme d'habitude. Hein. C'est vraiment une amadriade de combat. Ça, je pourrais monter ici à la rigueur. Ça mange pas de pain. On va prendre notre temps, hein, comme je vous l'ai dit. Ah! Eux, ils ont décidé de nous attaquer. Ok. Ennemi tué au combat, Pudduif, c'est un nom ça, Pudduif. Alors, lame d'or vif, excellent. Qui c'est qui l'a chopé la lame d'or vif? Ah mais il y a plein de matériel qu'on n'a pas affecté. Alors déjà, niveau 13. On se rapproche doucement de la transformation de Cadon, parce que ça générait...
générer une manticore, c'est quand même un truc qui est un peu violent. Bouclier arcanique, bof. L'armure de bonne fortune, mais ça a lieu ce qu'il a. Oh, quoi que. Talisman d'endurance, ça c'est plutôt bon. Couronne de commandement, ça me semble tout à fait normal. Lame de morsure. Plus 7 à la perforation. Je vais lui laisser. On va donner à Piotr. Ah non, Piotr, il est plus... plus spécialisé en fait dans... dans d'autres trucs. Donc Piotr, il n'a pas besoin d'une épée aussi puissante. Par contre, Ombre Mortelle, elle, qui est spécialisée dans la castagne, on va lui filer la lame d'or vif, le home de la discorde. Ça devrait déjà lui rendre la tâche un tout petit peu plus facile. Ici, on va aller coloniser la clairière du clair de lune, vu que ça c'est une vraie ville. On va pas s'en priver. Alors, ici, on a pété un truc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Des gardes éternels, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Les sœurs de l'épine. Très rapide, cavalerie. C'est vrai que de la vraie cavalerie, ça nous manque un peu quand même à l'occasion, mais... Avoir des cavaliers sauvages. On va peut-être faire ça. Ici. Des tonneaux de vin. Hop. Allez, allez. On craque notre argent sans retenue. Aucun problème avec ça. Vous n'êtes pas des adversaires, vous? Non, j'ai pas l'impression. Ah, de toute façon, là, on n'a pas l'argent, donc on va juste se rapprocher de la zone. Voyons voir un petit peu la diplomatie. A traitor stands before me. Speak, traitor. Oh, alliance défensive, non. Donc lui, il veut rien avoir à faire avec moi, on dirait. Non, mais pas Orion. Ah. You have been granted access to the halls of Athel Lauren. Elle veut pas devenir vassale, bien sûr. Toi. Ah. Que c'est pénible. Interface buggée. Donc t'es qui, toi? The Deepwood protects its sons and daughters. Je vais les écraser, les elfes restants, je vais les écraser, on va pas se stresser. Parce qu'ils vont m'ennuyer, je le sens depuis là. Alors ici. Hop là, on colonise ça. On va construire le seul truc qu'on peut construire, comme à chaque fois. Ici, bah, on va rester en attente parce qu'on n'a pas l'argent de refaire le clair de lune ce tour-là. C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est la quête. Il faut vraiment qu'on aille chercher l'épée... comment? L'épée de Nurtu. Par contre, il faut vraiment que j'ai une vraie armée. Tu veux quoi, toi? Un accord commercial. Et tu me donnes 1000. Oui. Ça me va. Alors ici, ce qui était cool, c'est qu'on avait une mine d'or, je crois. Voilà. Ça, j'aime bien. Ici. On va refonder cette cité. Parfait, parfait, tout ça. On va
rester là le temps qu'il faudra. Enfin, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ouais, bof. Je vais peut-être prendre ça et après rentrer à la ville pour me refaire une armée potable. Ça pourrait passer niveau 3. Allez, ça coûte quand même 4000 ça. C'est assez inquiétant. Eux, ils sont en train de prendre de l'attrition, je sais même pas pourquoi. Je sais même pas pourquoi ils refondent pas les autres les autres trucs non plus en passant. Je trouve ça très particulier. Alors, ouais, dans le coin, est-ce qu'on se pose la question? Non, bien entendu qu'on se pose pas la question. Ici. Ouais, voilà. Vous allez rapporter de l'argent, vous. Et nous, on va rentrer à la maison. Maintenant qu'on a repris ça, pour pouvoir un petit peu se reformer. Avec deux en nombre, je pourrais passer là au niveau maximum. Et je vais le faire. Parce qu'il y a des trucs que j'aime bien aussi dans la vie, moi, c'est les dragons. Voilà, une armée majeure. Allez hop, on court. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'armée comme ça. Des archers, non, ça m'intéresse pas de recruter particulièrement des archers. On a quand même 5000 ducats. C'est assez... C'est assez violent. Je verrai l'argent qui me reste en income une fois que j'aurai deux armées complètes. S'il me reste vraiment assez d'argent, peut-être. Je dis bien peut-être qu'on fera une troisième armée. Pour l'instant, je ne vois pas l'utilité. Alors, les Bretoniens. Un accès militaire. Oh, si tu veux. Des balises là-bas, lui. Ouais, il va venir péter ça, en fait. J'en suis sûr et certain qu'il va venir péter ça, cette espèce d'enfoiré. C'est pour ça que c'est casse-pied, ces trucs. C'est impossible de les défendre, en fait. C'est vraiment casse-pied. Bon, alors ici, qu'est-ce qu'il nous manque ici? Il nous manque des dryades. Je vais garder une place pour un éventuel dragon. Parce que l'idée me plaît bien. Du coup, ça va être à Elius éventuellement de remonter et défendre nos avant-postes. A traitor stands before me. Attends, toi, t'es pas casse-couille. Welcome to the halls of Athelloran. Non? T'es pas un peu casse-couille? You have been granted access to the halls of Athelloran. Pas de pack de l'agression. Pas d'accès militaire, putain. To stand before me and ask. Bow before the rightful lords of the realm, and I'll hear your demands. Bastogne, ils sont très forts.
Une alliance défensive avec Bastogne, c'est déjà ça. The lady grants you safe passage in these lands. Pacte de non-agression. Qu'est-ce qu'on peut leur demander d'autre? Une alliance défensive avec eux, c'est pas nécessaire. Brionne. The laws of chivalry demand I hear you. Voilà, on se fait de nouveau un petit peu de thunes. Un accès militaire. C'est toujours bon les accès militaires. Guisereux. J'ai oublié de taxer la thune. Bon. J'étais un petit peu bête. Montfort. Welcome to fair Britannia, commoner. Parfait. On a déjà plein de traités qui devraient éventuellement nous, nous aider ici. Est-ce que j'ai le droit à un accès militaire? Non, on a dit que non. Hein. Ok. Voilà, 9000. C'est bon ça? C'est très très bon. Je vais pas augmenter plus certains autres bâtiments parce que c'est pas nécessaire. Ça, on peut payer. Et là, on va demander à Elius de courir vers Quenelle. Ah, merde, on n'a pas de passage. Ouais, bah tant pis pour la faction des elfes, hein, ils vont pas me saouler. Enfin, si, ils risquent de me saouler en vérité, mais. Quelque part, c'est leur problème. Ouais, voilà, ils tracent vers nos trucs, putain. Ces espèces d'enfoirés de trucs. Comment on fait? Oh! Votre armée a repéré une force ennemie embusquée. Nullement découragé, l'ennemi se déplace afin d'intercepter. Opportunité d'interception. Ouais, bien sûr, on va y aller. Allez. Alors qu'on était en marche forcée, hein. Généralement c'est pas un bon plan de combattre les gens en marche forcée. Mais au moins là, le combat est lancé alors que qu'ils sont peut-être pas prêts non plus eux. Je pense que pour le coup les deux armées étaient en train de se balader et puis qu'on fait un petit peu face à face. Là par contre c'est une... C'est une bataille qui me plaît, dans le sens où ils ont vraiment qu'un seul régiment de cavalerie. Je pense qu'on est beaucoup plus fort qu'eux. Et tuer Morgur, l'enfant des ombres, c'est le personnage... Le personnage spécial des hommes bêtes dans cette partie-là. C'est toujours une bonne chose aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette map? Celle, c'est suffisant. C'est suffisant parce qu'en fait, lui aussi, c'est un sorcier. Et je crois qu'il est même encore plus sorcier que moi. J'ai l'impression qu'on est pas mal là, en surplomb comme ça. Il va probablement se déployer là-haut, par contre, je pense. Hop. Hop. Sur les flancs, les murs. Aelius et Ombre Mortelle en plein milieu. Et là, on a déjà notre... corps d'armée. Alors eux, est-ce qu'ils peuvent être... déployé en éclaireur ou pas? Oui, complètement, oui. Du coup, ce que vous allez faire, c'est vous déployez là. Par contre, vous avez une portée de chiottes, mais vous tirez deux fois plus, hein. C'est pas négligeable, deux fois plus. Et on va partir comme ça. Ok, ils ont pas du tout décidé de se placer là où je pensais qu'ils se placeraient. Du coup, c'est dommage. Enfin, c'est dommage, non. Mais...
coup, vous êtes à la ramasse. Pas grave, vous allez venir par là. Les êtres du dessous. J'ai hâte de voir ce que ça fait. Ça coûte en tout cas un paquet à lancer. C'est tout ? Je m'attendais à beaucoup mieux. Bon, j'ai envoyé les aigles là-dessus. Vraiment en galère par contre en termes de portée. Qu'est-ce qu'on va faire là? Bah là je pense qu'on va balancer la sauce. Alors on a quoi ici? On a le miasme, ouais ça c'est bien ça. On n'a pas un miasme pété à envoyer, non c'est sur une seule unité malheureusement. Ah le home de Discord, ah oui c'est très très bon ça. Ça dure combien de temps? 40 secondes. Voilà, bah tiens pendant... Pendant 40 secondes, vous allez vous battre comme des grosses bouses. Ça, c'est très très bien. Et puis là, on va passer à l'attaque à un moment, parce que... On va pas attendre de se faire rentrer dedans, bien entendu. En avant. En avant. Les aigles, là, vous pouvez décoller, c'est bon. Ça ira. Qu'est-ce que vous foutez, vous? Plus vite! C'est vrai qu'ils sont nombreux, ces cons. Alors Aelius fait face à Morgur. Cadeau. Allez les aigles, s'il vous plaît. Là-dessus. Ah ici on a absolument pas de comment, de ligne de vue, c'est très très chiant. Ah, on court après les gars. On court après. Éclatez-moi ça. Par contre Morgur il a rien pris, donc on va demander à Ombre Mortel, qui est un peu notre tueur, de s'en occuper. Elle est aux prises avec quoi là? Ah il y a une herbe de Bestigor à s'occuper là. Ok très bien. Vous revenez. Alors les aigles. On va les envoyer ailleurs pendant qu'on est en train de poursuivre tout ce tas de gens là. Ah
il a pris cher à Elius. On va soigner un peu les troupes. C'est bon les gars, c'est bon, vous revenez. Et il a rien pris du tout, Morgur, ça fait un peu, ça fait un peu peur. Alors on s'est peut-être séparé d'une façon qui méritait pas d'être ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Une harde de Bestigore. Attaquez-moi ça. Ici, faut se casser. Ouais, faut se casser. Je pense qu'il faut, faut se reformer là parce que on a des problèmes. On a des vrais problèmes. Notamment avec Morgur qui ne perd pas de PV. Donc c'est un genre un peu triste, si vous voulez. C'est dingue ça! Il a pas crevé? On dirait pas, hein? On dirait pas qu'il va crever. On dirait surtout qu'on lui fait rien du tout. C'est assez flippant, si vous voulez. Vous, c'est pareil. Vous ramenez vos auderches, s'il vous plaît. Dégage, dégage, l'aigle. Dégage. Allez, en avant. Ah, il est épuisé le mec, hein, mais il est pas inquiet quand même. Hein. L'unité l'emporte, ils nous disent. Sérieux? Les mecs, ils ont plus d'armée, quoi. À quel moment, ils l'emportent? Je vois pas bien, moi. Revenez, vous. Là-bas, on a encore un régiment qui s'est rallié. On va éviter de faire des bêtises. On va avancer. Mais pourquoi ce truc ne veut-il pas mourir? C'est quand même fou, ça. Des ennemis cachés. Ouais, on va s'occuper des ennemis cachés. J'espère que vous aimez bien les flèches, les gars, parce qu'on en a quelques-unes en rab. Voilà. Et tirez-vous. T'as de nuls. Là, je vais retirer à Elius de la baston parce que
Ça ne semble pas très efficient pour l'instant. Donc il va rester dans, voilà, dans la zone. On va renvoyer un petit peu plus de personnes encore dessus. Là, il y a une harde d'Ungor, je pense que c'est dans nos cordes. On va pouvoir les gérer assez facilement. Ici, on va renvoyer... De toute façon, on va envoyer tout ce qu'on a, hein, à un moment. Je veux savoir pourquoi ce truc ne prend pas de PV, quoi. Parce que si en plus il est indémoralisable, on n'est pas rendu quoi. Ouais, ça c'est des dryades. On est par là. Ouais, bah j'ai l'impression qu'il reste plus grand chose à lui là. Tout a plus ou moins fui. Vous c'est pareil, hein. Bah écoutez, revenez. Hein. De soins. Je suis assez impressionné quand même. Bon, on reste plus rien là. Alors on dit victoire. Très bien. Très très bien ça. Mais ouais, voilà, lui, bah, on peut pas le blesser en fait. Donc c'est très pénible, si vous voulez, de ne pas pouvoir blesser quelqu'un. C'est assez particulier. Allez, on va réunir tout le monde ici, en vitesse rapide. On peut essayer, hein, mais a priori, ouais, on lui fait rien. On lui fait rien du tout. Je comprends pas. Je ne comprends pas. 1 toutes les 100 secondes, oui, non. Je voulais qu'on soigne, mais on n'aura pas le temps. On va laisser tomber pour le moment. Alors, il n'a pas tué grand monde, hein. Il a tué 21 personnes. Le seul souci, bah voilà, c'est que... c'est qu'il n'est pas butable, en fait. Ça en est même effrayant, à un moment. Il semblerait qu'une de nos unités de dryade soit tombée. J'arrive pas bien à voir s'il reste un micro point de vie ou pas. Mais vous voyez le souci qui se pose avec ces avant-postes? C'est que là j'ai dû sortir de la forêt pour aller les protéger. Et bah, ces avant-postes n'ont pas de protection, ils n'ont pas de mur, ils ont toujours rien quoi. C'est toujours la galère. Et si on investit en ambre en comptant là-dessus, je suis à peu près sûr et certain que ça va nous... Enfin, à la fin, ça va juste nous mettre dans la mouise, en fait. Il n'y a aucun moment où ces trucs sont rentables. C'est juste ça. Aucun moment. Avec des unités comme ça d'hommes bêtes qui peuvent apparaître n'importe quand, ils peuvent vous les raser en un tour, hein, ça ne tiendra pas. Il n'y a pas besoin de faire de siège, il n'y a pas besoin de particulièrement rencontrer des garnisons importantes. Et l'IA semble privilégier le fait de détruire ces trucs parce que c'est plus facile à détruire. Alors, d'un côté, pour une fois, c'est logique, hein. Mais du coup, on n'a aucun intérêt à les prendre. Vraiment aucun, quoi. Compter dessus, ça rajoute juste un petit côté random encore plus important, j'ai l'impression. Donc, victoire de justesse. On va buter les survivants dans la mesure du possible. On a chopé une épée sanglante. Et Morgur est dans le coin. Morgur est dans le coin. Morgur, il est pas tout seul. Alors ça, ouais, ils ont été défoncés. Ça, il reste plus rien. Ici, on a un niveau avec Aelius. Pousser la résistance de nos lémures, ça me semble être une bonne chose. D'un autre côté, où est-ce qu'on était, nous?
nous rentrer à la maison. Au palais des chutes. Ok. Bon, on a 13 000. Donc avec 13 000, on peut faire des choses. Ce genre de choses là, quoi. Ouais, bah là, ça va tomber. On n'y pourra rien. On va perdre ce truc. On va probablement perdre ça juste après. Ce qui fait qu'au final, on va perdre plus d'ambre qu'on en a. Et que ça va franchement m'emmerder, si vous voulez mon avis. Alliance militaire avec Brionne. 3 d'ambre, oui. Alliance militaire avec Montfort, oui. Putain, mais heureusement que les Bretonniens sont là, quoi. C'est ça qui est dingue, quoi. Franchement, sans les Bretonniens, on serait tellement dans la merde si on devait compter que sur les... Si on devait compter que sur les elfes, on serait vraiment trop dans la merde. C'est impressionnant. Bon. Alors malheureusement ici, on a pris super cher. Et là, il y a une armée trop importante pour qu'on puisse la gérer. On va donc essayer de retourner chez nous. À l'heure actuelle, on n'a pas ce qu'il faut pour faire face. Ouais, on va se tirer, tout simplement. Donc à travers, encore une fois, les terres des elfes, ils vont faire la gueule. Donc on va peut-être passer par ailleurs. Voilà. Speak your lies and be gone. I will not believe a word. Non, les mecs, toujours pas intéressés. Toujours pas intéressés, vous? Ah si. Ah, ça fait plaisir. Ça progresse. Bon, ça progresse pas vite, mais ça progresse. Welcome to Fair Bretonnia. Bon, par contre, avec tout cet argent, je pense qu'on peut se permettre de recruter un nouvel homme arbre. Plutôt dans ces coins-là, je pense. Bras mutilé, ouais, non. Oh, quoique, de toute façon. On va faire un guerrier cette fois. Ici, dans un tour, on pourra recruter un truc qui s'apparente à un bâtiment qui sert à faire des dragons. Donc, on a un nouvel homme arbre. Hein. N'hésitez pas à proposer de nouveau des noms. T'as le prix que ça coûte, mon dieu. Ouais, non, on va se calmer. On ira les recruter ailleurs, hein. Parce que là, c'est la folie. Putain! Ah, il me saoule tellement. Comment ils sont déjà arrivés là, eux? Ça, c'est la grande question du jour. Comment? L'autre question du jour, c'est pourquoi je peux pas me TP ici alors que j'utilise le mode de transport prévu à cet effet? Ça c'est l'autre question. On va faire ça. En espérant qu'ici ça tienne. J'ai un peu comme un doute pour le coup. Ok, donc ça coûte un petit peu d'ambre. Et donc là on va pouvoir construire ceci. Bon, alors là, par contre, le dragon des forêts, lui, va bien entendu coûter de l'ambre. Plus de revenus, oui. Recruter des hommes arbres, éventuellement, oui aussi, oui. Ça va vraiment devenir intéressant. L'enclume de vol. Qu'est-ce qu'on construit à l'enclume de vol? Bah, de la def, parce qu'il n'y en a pas encore à l'enclume. Alerte intrusion à Elius, oui, bah on s'excuse. Ah, on nous a pas attaqué. Ils ont flippé, on dirait.
Lui, il veut une alliance défensive. Tu sais quoi? Moi, j'ai une autre idée. J'ai une alliance militaire, sinon rien. Bordelot, tu veux une alliance défensive? Bah, c'est pareil. Une alliance militaire, sinon rien. Merde. J'ai pas vu ce que j'ai proposé. Putain. Je sais pas comment il fait, lui. Il est pas inquiet au niveau de l'ambre. C'est qui, ça? C'est la faction Elfe Sylvain. Bah, c'est parfait. Pour un coup qui sert à quelque chose, je vais pas m'en plaindre. Ici, on va pouvoir régénérer nos forces. C'est parfait. Faut se méfier quand même que le chêne des âges soit pas en problème. Peut-être que cette armée-là, je vais la laisser près du chêne des âges, en fait. Allez, hop, on va se déplacer. Que ça fasse office de mur supplémentaire. Quitte à rien pouvoir recruter dans la région autant que tu cours. Ouais, on va aller là. Ça, je me sentirais plus en sécurité avec le chêne protégé. Bouclier d'Isha. Ouais. Pourquoi pas. Ça me plaît bien. Et on est rendu à 7 d'ambre. Et donc là on pourrait Ah non, il faut 9. Très bien. Il faut 9 d'ambre. Alors à mon avis à 9 ça va être la violence totale. Ici il va y avoir pas mal de bastons. Mais ça tombe bien, c'est parce que c'est pas moi qui va la subir. Donc pour l'instant ça me plaît bien. On va recruter notre premier dragon et puis on va arrêter là l'épisode, je pense. Brion, tu veux que je rejoigne la guerre avec les elfes sylvains? Bah non. Une alliance défensive, Guizoreux? Je t'ai dit que non. Une alliance militaire, oui. Morgour n'est plus de ce monde. Excellent. Rien de plus qu'une tache sur le champ de bataille. Une grande victoire a été remportée aujourd'hui. C'est cool. Veuillez maintenant repousser le miasme de corruption. C'est très très cool. Allez, on va se rapprocher du chêne encore un peu. Ici, on peut recruter des unités. Tiens, avoir de la cave, ça changera. On va blinder cette région. Autant que possible. Ici, ça mériterait d'être blindé aussi, mais bon. On peut pas trop se permettre. Allez, le prochain tour, on a notre dragon et on arrête là. Ouais, il y a toujours des espèces de forces, des hommes bêtes qui zonent dans le coin. Qui ne représentent pas donc que des problèmes majeurs. Et là, putain, il y a le dragon qui coûte pas d'ambre parce que nous sommes des créatures de la forêt. J'en veux plus. Mais il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Esprit de la forêt, perce armure, provoque la terreur, peau écailleuse. Oui, ça me plaît. Ça. Je veux du dragon. On va mettre du dragon partout. Ouais, j'ai plus vraiment la thune. Mais c'est pas grave. En plus, on est tour 100, c'est nickel.
Alliance militaire? Ah bah c'est pas trop tôt. Donc il y a des embuscades, mais tout ça se passe en Bretonie, hein, pas à l'intérieur de notre forêt, ce qui fait qu'au final on en a un peu pas grand chose à faire. Est-ce qu'on peut rejoindre le chêne comme ça? Pas vraiment, bon bah c'est pas grave, hein. On va passer par le territoire des autres nazes. Et on va se poser à côté du chêne. On pourra passer au niveau 9. Mais c'est vraiment trop juste. C'est vraiment trop juste. Si je le fais maintenant et qu'on perd la moindre colonie, on va se retrouver en déficit d'ambre. Donc, on va pas le faire maintenant, très clairement. Il me faudrait récupérer quelque chose. Quelles sont les factions elfes avec lesquelles je ne suis pas... Je suis allié avec ça. Et ça. Je peux les fédérer. Non. Non, on peut pas les fédérer. On ne peut pas les fédérer. Il y a eux, avec qui on a un simple accord commercial. Qu'on pourrait aller chercher, là. On pourrait rompre notre accord commercial avec eux. Puis aller lui péter les dents. D'autant plus qu'on a une armée qui est ici. Ça nous permettrait de récupérer deux d'ambre. C'est pas mal, hein. Deux d'ambre. Mais je réfléchirai à ça lors du prochain épisode. Pour l'instant, on a mené une bataille... correct. On a une économie florissante. On a des dragons. Donc je pense que ça va vraiment être la violence totale. Et bah voilà. Je pense qu'on n'est pas trop trop mal. La prochaine fois, on va upgrader le chêne des âges. Et on va essayer de voir comment ce qui en sort. Et on va également faire la mission de Durtu pour récupérer son épée à lui. Maintenant qu'on va avoir une armée complète et, et de qualité, j'ai envie de dire. Ce sera probablement plus simple. Bon, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain pour la suite. Allez, bye bye !